Vav Amud Bet, les quatre dernières lignes. Amar Shemuel, Lechem Oni, Lechem She'onim Alav Devarim. Tanya Namerachi, Lechem Oni, Lechem She'onim Alav Devarim Harbe. Alors, vous le savez que la Matzah a été appelée dans la Torah Lechem Oni, le pain de misère, le pain pauvre. Mais le mot Oni est écrit sans le Vav. Aïn, Nun, Yud. Alors, nous allons voir ici quatre drachot par rapport au Lechem Oni. Pourquoi est-ce que la Matzah est appelée ainsi? Parfois on va interpréter dans le sens de Lechem Ani, sans le Vav, et parfois Lechem Oni, comme on lit avec le Vav. Alors la première dracha que nous avons ici, c'est ce que dit Shmuel. Lechem Oni, Lechem She'onim Alav Devarim Arbe. Un pain pour lequel nous parlons beaucoup. C'est-à-dire, on va lire toute la Haggadah. On va lire, par rapport à la Matzah, on va lire tellement de sujets. Ce soir, on parle énormément. Eh bien, c'est cela le sens de Lechem Oni. Lechem She'onim Alav Devarim Harbe. La Gada, le Hallel, pendant que la Matzah est déposée devant nous au moment de cette lecture. Tanya Namehachi, comme on a trouvé dans la Braïta, c'est confirmé ce qu'a dit Shmuel. Dabar Acher. La Braïta nous cite encore une autre racha. Lechem Oni, Ani Ktiv. Ma ani shedarko biprusa, afkan biprusa. Vous savez que on prend une matzah et on la casse en deux. Ça s'appelle yahatz. On coupe en deux et ça fait hetzi hetzi. Et on met entre les deux grandes matzot, on met la matzah qui est cassée en deux. Pourquoi on casse la matzah en deux? Eh bien, étant donné que la Torah a qualifié la matzah de lechem roni sans le vav. Comme si c'est écrit « Lechem shel ani », le pain du pauvre. Le pauvre, lorsqu'il va toquer aux portes des maisons et il va demander à manger, on lui donne des morceaux de pain qu'il y a sur table. On ne lui donne pas une baguette entière, on lui donne une demi-baguette, c'est-à-dire le morceau de pain qu'il y a sur la table. Comment ça s'appelle une tranche de pain en hébreu? Proussa. « Ma darko shel ani biproussa, afkan biproussa. » De la même façon que le pauvre, en général, on ne lui donne que des tranches de pain, et pas des pains entiers, là également, on va couper la matzah en deux. Davar acher, ma darko shel ani, hu masik veishto ofa, afkan, nami, hu masik veishto ofa. C'est-à-dire, le lechem oni, ça doit se faire de manière à ce que ce ne soit pas du hametz. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion au fait que la matzah, c'est justement quelque chose qui est pétri et cuit rapidement, de manière à ce que lo yachmitz. Comment est-ce qu'on voit ça? Parce que c'est écrit lechem ani, le pain du pauvre. Le pauvre, lui, il n'a pas beaucoup de charbon. Comme il n'a pas beaucoup de combustible, il allume le feu et il dit à sa femme, vite, vite, enfourne le pain. Je n'ai pas beaucoup de bûches de bois. Je n'ai pas énormément de combustible. Alors, moi je suis massic, moi j'allume le four, et toi tu es ofa, et toi tu cuis le pain. C'est comme ça que ça se passe toute l'année. Étant donné que le hani, il va cuire son pain très rapidement, ainsi nous, également la matzah, on la cuit, on la pétrit, on la cuit très rapidement. Elle n'est pas le temps de fermenter. Ça s'appelle les hem hani. Il y a un très très beau pirouche du Gaon de Vilna par rapport aux quatre interprétations de Lechem Oni. Là, ici, on n'a cité que trois. On a dit Lechem She'onim Alav Devarim Arbe, Lechem Shel Proussa, Lechem Shel Ani Proussa, et également Lechem Ani que Hum Asik Beishto Ofa. Mais il y a encore un autre pirouche, c'est Lechem Oni, Lechem Ani. Le pain lui-même, il est pauvre. C'est quoi un pain riche? C'est quand tu mets du sucre, du miel, de l'œuf, de l'huile. Ici, qu'est-ce que tu mets? Rien du tout. La farine et de l'eau. Zéro. Les hemani. Alors, on a quatre pirushim. Le Gaon de Vilna dit que c'est par rapport aux quatre éléments qui sont la base de tout dans le monde. La matière, la forme, le fabricant et l'objectif.
Par exemple, je fabrique une table. Quel bois je vais prendre? Ça dépend si on est riche ou pauvre. Le riche, il va prendre un très beau bois. Le pauvre, n'importe quel bois, très simple. Tandis que la forme également, la forme de la table, un riche, c'est pas pareil qu'un pauvre. Comment on appelle ça? Qui est-ce qui va fabriquer? Le pauvre, il va fabriquer lui-même. Tandis que le riche, lui, il va payer des employés, des menuisiers, un ébéniste. Il va acheter déjà tout fait. Également, le tahlit. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette table? Le riche, pour manger beaucoup de plats. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger très peu. Il va parler beaucoup. Lechem she'onim alav devarim arbe. Et lechem ani, la matière, c'est quoi? C'est juste la farine et de l'eau. La forme, c'est quoi? Cassé, mais pour ça. Le fabricant, c'est qui? Hu masik ve'ishto ofa. Bon, c'était une parenthèse, un petit commentaire. On continue. Afal pi chez en haroset mitzvah. Bien que la haroset ne soit pas une mitzvah, malgré tout, il fallait la porter à la table du seder. La Gemara pose la question, elle dit Veilo mitzvah mishumay maitela. Et s'il n'y a aucune mitzvah de manger de la haroset, pourquoi on la porte? Amar abi ami mishum kappa. C'est pour le venin qui se trouve dans le maror. Pour radoucir la force du maror, on trempe dans la haroset. Amaravasi, kapa de hassa, hama. Maintenant, la Gemara va nous donner des ségoulottes. Comment soigner quelqu'un qui a mangé du maror sans l'avoir radouci auparavant? Kapa de hassa, le venin, le poison qu'il y a dans le hazeret, dans le hassa, la laitue. Pour soigner cela, hama, il faut qu'il mange du radis. Le radis va le calmer. Kappa de hama karte. Quelqu'un qui a mangé des radis tels quels, et maintenant ça brûle à l'intérieur de son estomac, eh bien qu'il mange du poireau. Maintenant, quelqu'un qui a mangé du poireau, et ça brûle à l'intérieur, hamime, qu'il boive de l'eau chaude. Un bon thé chaud. Kappa de kulehu hamime. D'ailleurs, pour soigner quelqu'un qui a mangé soit du chassa, soit karti, soit tsnon, le radis, le hama, eh bien, de l'eau chaude, un bon thé, une bonne tisane, c'est bon pour tous. Vous avez compris ici que pour soigner le mal, on le soigne par le mal. C'est le principe du vaccin. Le principe du vaccin, c'est de guérir le virus par le virus, le microbe par le microbe. Alors la même chose ici. Quelqu'un qui a mangé du maror, eh bien, il va se soigner avec du radis. Quelqu'un qui a mangé du radis à jeun, il ne sent pas bien, alors qu'il mange du poireau. Quelqu'un qui a mangé du poireau à jeun, il ne sent pas bien, bien qu'il prenne de l'eau chaude. Mais ça veut dire que chacun, en le prenant à jeun, il est mauvais, mais si tu le prends justement après avoir pris à jeun un autre, eh bien il sera le guérisseur, il sera le remède. Adéachi Béachi, le temps qu'on lui apporte de l'eau chaude, la personne elle souffre. Nimahachi, il y a une ségoula, abracadabra, qui disent Kappa, kappa, d'achir nalach. Ul shav benater, ul tamne kalater. Et toi, venin, venin, je me souviens de toi et de tes 7 filles et de tes 8 belles filles. C'est juste un abracadabra d'une ségoula pour, en attendant qu'il lui apporte de l'eau chaude. Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok, Omer, mitzvah. On a vu dans la Mishnah que apporter de la haroset, c'est pas facultatif. Comme on a dit que c'est juste pour le venin, c'est une obligation. D'après qui? Rabbi Lazar bar Mitzadok. Maï mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Rabbi Levi Omer Zecher la Tapuah. Ve Rabbi Hanan Omer Zecher la Tit. Rabbi Levi nous dit que c'est en souvenir des pommiers. Qu'est-ce qu'il y a dans la haroset? Des pommes.
en souvenir des pommiers. Quel pommier? Tahata tapuah orartira shamahi belatra immecha shamahi bela yeladatra. On le sait que Paro avait décrété de tuer les bébés à la naissance ou les jeter dans le Nil, de tuer tous les garçons. Qu'est-ce que faisaient les mamans? Elles allaient accoucher dans les champs sous les pommiers. Et c'est comme ça que, après, Akadosh Baruch Hu, il faisait grandir ses enfants. Comment? Dans des salles souterraines, sous la terre. Et il y avait des malachim qui s'occupaient de leur donner à manger, à boire, des biberons d'huile et de miel. Et les Égyptiens, à un moment donné, se sont rendus compte de cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient avec des charrues pour labourer la terre. Ils ont dit certainement, les Juifs sont des sorciers. Mais la sorcellerie, elle ne peut pas aller plus profondément que trois tefachim, trois fois la largeur du poids. Et comme ça, on va leur arracher la tête à ces enfants qui sont en dessous, qui sont cachés par la magie. Parce qu'ils les voyaient revenir des régiments d'enfants. Vatavoi, vatirbi, vatigdeli. Revava ketsema hasade netatir. Vatirbi, vatigdeli, vatavoi, vahadi adaim. Shadaim nachonus, arertsim meyach, veat aerom veeria. C'est-à-dire que, toi, Am Israël, par dizaines de milliers d'enfants, vous reveniez. Vatavoi, vahadi adaim. Paré de bijoux. Atikre adir adaim. Et la edre adarim. Des groupes, des troupes d'enfants, des régiments qui revenaient à la maison et qui poussaient comme les plantes des champs. Ketsema hasade netatir. Et quand les goyim se sont rendus compte de cela, ils ont dit on va aller les tuer. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Gabriel à Malach pour les protéger. Et il s'est mis au-dessus de ses enfants pour les protéger. Ils étaient dans des salles souterraines. Et Gabriel Malhar va dire, Al Gabi, Harshu Horshim, Erichu le Ma'anitam. C'est sur mon dos que ces laboureurs ont allongé le soc de leur charrue pour essayer de tuer les enfants. Mais c'est sur mon dos qu'ils ont fait ça. Alors, quand ils ont grandi, ces enfants, ils sont venus après créateur de souffle, ils ont chanté. Ils ont reconnu qui était leur bienfaiteur, Akadosh Baruch Hu, Ze Eli ve Anvehu, Elohe Aviv Aaron Menu. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Mets dans la harosette des pommes, car au travers de ces pommes, tu te rappelleras de ce Nes. Tahatatapouah. Mais Rabbi Yochanan dit aussi Zecher Latit. Il faut que ce soit épais. En mettant comme de la boue. La charosette, il faut qu'elle soit, on va dire, épaisse, comme de la boue, un mortier, comme du mortier. Amar Abayé, comme du ciment, je veux dire, comme du ciment, l'argile. Amar Abayé, il car tsarich les kahouillés, et tsarich les samouché. Il faut, d'une part, que ce soit acide comme la pomme, et épais comme la pomme, comme le haroset. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit en rappel les kahouillés zecher le tapouah, les tsarich les samouchés zecher le tit. Car l'acidité de haroset rappelle le tapouah, et l'épaisseur de la haroset rappelle le mortier. Tania Kavate de Rabbi Yochanan. On a trouvé une braïta qui soutient cet enseignement de Rabbi Yochanan, qui dit que, en effet, il faut que ce soit épais. Qu'est-ce qui est écrit? Tavlin zecher la teven, haroset zecher la tit. Le tavlin, on rajoutait en plus des épices dans la haroset pour se rappeler de la paille que les bénis Israël ont dû aller chercher pour mélanger au mortier, pour fabriquer les briques que les Égyptiens leur imposaient. Et c'est comme ça que, au travers de Maror dans la haroset, on se rappelle de l'amertume, de la avoda kasha, des corvées, et on se rappelle ainsi de la
de l'épaisseur des mortiers des briques qu'on fabriquait avec le Teven, mais aussi, on se rappelle, du tapouar, comment Akadosh Baruch Hu nous a sauvés des Égyptiens. Amar Rabbi Elazar Barbi Tzadok, Kachayu Omrim Tagare Harach, Chez Birushalayim, Bo'ut Lulachem Tablin Ne Mitzvah. C'est-à-dire, il disait, les vendeurs, les épiciers qui se trouvaient dans leur épicerie, ils ouvraient la fenêtre de leur épicier, de leur épicerie, et c'est pour ça que ça s'appelle Harach. Metzitz min harakim. Mashgiach min halonot metzitz min harakim. Ils ouvraient leur magasin et disaient, venez acheter les épices pour la haroset de la mitzvah. Donc on voit ici qu'ils disaient comme Rabbi Eliezer bar Mitzadok que c'était une mitzvah d'apporter la haroset. Et pas juste pour empêcher le venin du maror d'agir négativement. C'était sur Zecher la tapouah, Zecher la tit, Zecher. Maintenant on a une Mishnah nouvelle. Masgulokos sheni. Et maintenant on va servir un deuxième verre de vin après la Haggadah. Après avoir fait Kiddush, on va maintenant servir le deuxième verre de vin pour la Haggadah. Et ça, on le fait au début de la Haggadah. Les Kana ben Shoel est à vivre. Et c'est maintenant que l'enfant Hacham, il va poser des questions à papa. Parce qu'il va dire, je ne comprends pas. On n'a même pas encore mangé que tu sers maintenant un deuxième verre de vin. Mais im endaret baben aviv melamdo. Si l'enfant n'est pas intelligent, le père doit lui enseigner quelles sont les questions à poser. Keneged arba banim dibera Torah. Ehad hacham, ehad racha, ehad tam, had sheno de alishol. Toi, tu dois lui apprendre à poser des questions. Quelles sont les questions? Manishtana halayla ze mikol alelot, shebechol alelot anu ochlim hametz u matza, halayla ze kulo matza. Ça, c'est la première question. Shebechol alelot anu ochlim shari arikot halayla ze maror. Deuxième. Shebechol alelot anu ochlim basar tzali. Shalouk umvushal, halayla ze kulot sali. Troisième. Shebechol alelot anu matbilim, en anu matbilim. Alors, on va lire la version de la Mishnah et après on va voir la correction que va donner la Gemara. Alors, on va lire simplement, pas comme on connaît. Parce que ce qu'on connaît, nous, c'est après la correction de la Gemara. Mais on va lire la première version. Shebechol alelot anu matbilim paramahad, halayla ze shete peramim. Alors maintenant, je vais essayer de traduire succinctement toutes ces questions. Premièrement, pourquoi toutes les nuits on peut manger Hametz ou Matzah, cette nuit uniquement de la Matzah? Toutes les nuits, on peut manger n'importe quel légume, ce soir, Maror. Pourquoi toutes les nuits on peut manger de la viande qui est soit rôtie, soit bouillie, soit cuite, et cette nuit uniquement de la viande grillée, rôtie? Entre parenthèses, Tosfot disent que, en disant Kulot Sali, Mashmar, que pas seulement le Korban Pessah était rôti, mais même Korban Hagiga qu'on mangeait avant le Korban Pessah devait être grillé comme le Korban Pessah. Ça, c'est l'opinion de Ben Tema. Shebechol Alelot, et toutes les nuits, on trempe une fois, et cette nuit, on trempe deux fois. Ulfidato, Shela Ben Aviv Melamdo. C'est-à-dire que la réponse du Père, en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte pour répondre à toutes ces questions, c'est en fonction de l'intelligence de l'enfant. Matrid biknut ou mesayem mishmar. Et quand il va raconter l'histoire, il faut qu'il commence par du négatif et qu'il termine par du positif. Vedoresh me arami ovedavi archigman kol parashakula. Et la Haggadah doit être basée sur les psukim de Bikurim. Dans Parashat Kitavo, on retrouve le récital du porteur de fruits des prémices. Les prémices des Shivat Aminim, quand on devait apporter depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, on avait le temps d'apporter les Bikurim, c'est-à-dire les prémices des sept fruits d'Eretz Israël, Hita, Serora, Gefen, Tehenar, Imon, Zayit, Tamar. On devait à ce moment-là, dans le Bet Amikdash, réciter tous les psukim qui figurent dans Parashat Kitavo, Arami, Oved, Avi, Vayered, Mitzrayma, Vayegorcham, Imtemerat, et ainsi de suite. On raconte ensuite l'histoire de la descente en Égypte, l'exil et la sortie d'Égypte. L'Enissim, Kadosh Baruch Hu a fait en notre faveur. Eh bien, ces psukim sont la base de la Haggadah. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Quand on lit la Haggadah, qu'est-ce qu'on lit?
On lit ces psukim là et avec l'interprétation de la Haggadah. Gemara. Tanu Rabbanan. Chacham beno sho'alo. Veim eno chacham ishto sho'alto. Veim lav hu sho'el le'atzmo. Afilu shnei talmidei chachamim sho'yodim hilchot pesach sho'alim ze la ze. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Si le père a un fils chacham, alors c'est son fils qui va lui poser des questions. Si son fils n'est pas chacham pour poser des questions, c'est son épouse qui lui posera des questions. Et sinon, s'il n'a personne pour lui poser des questions, hu sho'el le'atzmo, lui-même il s'interroge, il s'auto-interroge et il répondra. Et même deux talmidei chachamim qui sont ensemble pour le seder, bien qu'ils connaissent les réponses, ils doivent se poser les questions mutuellement. Pourquoi? Parce que ce soir, il faut que ce soit sous forme de sipur, chez Ela ou Tshuva, et pas uniquement des connaissances, il faut que ce soit sous forme d'histoire. Man ishtana halaylaze mikol alelot. On a vu dans la Mishnah, selon la version de la Mishnah, c'était quoi la question à propos du trempage? Toutes les nuits, on trempe une fois, cette nuit, deux fois. Est-ce que toutes les nuits, on a une obligation de tremper une fois? C'est quoi cette question-là? Est-ce qu'on ne peut pas renoncer à ce trempage toutes les nuits? Est-ce que tous les jours, on ne peut pas se permettre de ne pas tremper du tout? Alors c'est quoi cette question-là de dire, toutes les nuits on trempe une fois, et cette nuit deux fois? Comme si la halakha était que toutes les nuits tu dois tremper une fois, et Pessah tu dois tremper deux fois. C'est pas vrai, il n'y a aucune obligation de tremper une fois toutes les nuits. Et là, Marava Hikatane Rava dit, il faut corriger la Mishnah. Shebechol alelot en anu hayavin letabel afilu pa'amahat alayla zeh sheteper amin. Toutes les nuits, on n'a pas d'obligation de tremper même pas une fois, alors que cette nuit, deux fois. Matkif la Rav Safra, Hiyuva le Dardeke, c'est-à-dire, est-ce que la première fois on a une obligation? Ce n'est pas vrai. On avait dit que c'était juste pour attirer l'attention des enfants, pour susciter leur curiosité, afin qu'ils posent des questions. Alors il fallait faire deux trempages. Le quart passe dans l'eau salée et maman dans la haroset. Mais c'est juste pour attirer leur attention. C'est pas un chiyuv. Chiyuva, les dardeke. Est-ce que ce qu'on fait pour les enfants, c'est un chiyuv? Dardeke, c'est des enfants. Et là, Marab Safra a rikatane. Je me crois la lilot en anoumadbilin a filopa mahat alayla ze chete pe ami. Ça veut dire que selon cette version, on a dit. Quand tu dis hayavim, ça veut dire que tu as un chiyuv de tremper deux fois. Ce n'est pas vrai. On n'a pas de chiyuv de tremper deux fois. Le chiyuv, c'est rien qu'une seule fois. Maror baharoset, le carpas dans l'eau salée, c'est que pour attirer l'attention des enfants. Donc il ne faut pas dire le mot hayavim. Il faut dire comme ça. Aujourd'hui, concrètement, on fait deux fois. Matrid Bignoz ou Messayam Mishvach. On a dit que la Haggadah doit être racontée en commençant par le négatif et terminée par le positif. Maïgnout, de quel négatif on parle? Rab Amar, Mitehila, Ovde, Avodat, Gilouli, Mayu, Avotenu. Shmuel Amar, Avadi, Mayinu, les pharaons de Mitzrayim. C'est-à-dire, la marloquette entre Rab ou Shmuel est de savoir est-ce qu'on parle du négatif spirituel ou physique. Nos ancêtres ont souffert physiquement et après ils ont été libérés en Égypte. Avadim aynu les paro, les Mitzrayim. Mais sur le plan spirituel, si on remonte plus haut, Avraham Avinu, c'est lui qui a innové la Teshuvah, qui a innové la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Mais son père, qu'est-ce qu'il était? Un idolâtre. Mitechila avdei avodah zara yu avotenu. C'était qui? Terah avi Avraham avi Nahor. Alors maintenant, quand on dit qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés du négatif pour nous offrir le positif, de quel négatif il s'agit et de quel positif? Alors Rav va dire qu'il s'agit du spirituel. Shmuel va dire qu'il s'agit du matériel. Et les Maaseh, qu'est-ce qu'on fait?
On fait les deux. On fait les deux. C'est-à-dire que dans la Haggadah de Pessah, on dit Avadi Maïnou les Pharaons Bimitzraïm, il nous a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Donc en effet, on parle de ça. Gnout et Shevach, physique. Mais également, on parle du Gnout et du Shevach spirituel. Puisque on doit remercier Akadosh Baruch Hu, dans la Haggadah, on a été possèque comme Rav et comme Shmuel. Amar le Rav Nachman et Daru Avdeh. Un jour, Rav Nachman a dit à son esclave, qui était un Révet Kenaani, qui s'appelait Daru, il lui a dit, dis-moi, Avda, de ma pikle maré la chérout, via ivle kaspa vedahava, maï baré le mémarle. Un esclave dont le maître l'a libéré, et en plus il lui a donné de l'or et de l'argent. Qu'est-ce qu'il devrait dire à son maître? Amar le, baré le odouye ou le chabouhe. Il doit être modé ou meshabéach, les hodot ou le shabéach. C'est normal? Il était esclave et maintenant, non seulement qu'il a libéré, il lui a donné même de l'argent. Amar le, patartan milomar manishtana. Patar ve amar, avadi maïnou et paro bimitzraïm. Il lui a dit, eh bien, tu m'as maintenant dispensé de dire manishtana. Pourquoi? Il s'est mis immédiatement à dire avadi maïnou et paro bimitzraïm. Quel rapport? Regardez s'il vous plaît la dernière ligne du Rajbam en bas. Patar ve amar. Le ahar sheilat haben itchilomar avadi maïnou. Vegomer hagada beshevach vehoda'a. Klomar ken asa lanu hakadosh baruch hu shayinu avadim veotzianu misham. En fait, c'est pas qu'il a complètement dispensé de dire manishtana. Parce que c'est bizarre. Est-ce que en disant il faut remercier Hakadosh Baruch Hu, il a dispensé des questions de manishtana, mais on a déjà dit qu'il faut poser les questions de manishtana, comme on a vu longuement. Mais la Kavana, c'était juste de dire comme ça. Tu m'as permis à moi, Rav Nachman, qui devait raconter à mes enfants et qui devait parler beaucoup de la Karatatov, la reconnaissance et la gratitude qu'on doit avoir envers Hachem, eh bien toi, tu m'as allégé le travail. C'est ça la Kavana. Petartan Milomar Manishtana, c'est pas que tu nous as dispensé de Manishtana, parce que l'enfant il va poser la question. Et comme dit le Rajbam, les Ahar She'elat Ben Itrinomar Abadi Maïnou le Paro, après que son fils ait posé toutes les questions de Manishtana, comme la Mishnah nous l'a enseigné, c'est sûr que Rav Nachman il a fait parler son fils, Vedaï. Et ensuite il a commencé à dire la Haggadah, Abadi Maïnou le Paro, seulement tu m'as donné des arguments. Toi maintenant, tu m'as aidé à faire ma mitzvah de la Haggadah, à raconter à mes enfants et à ma famille combien on doit être Makir Tova. Toi-même, tu as dit qu'un esclave qui a été libéré et qui a reçu une pochette d'argent de son maître, il doit l'éhodouiller ou le chabouher, il doit être modé ou mehallel. Eh bien maintenant, c'est facile pour mes enfants de comprendre tout cela. Parce qu'on était esclaves. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Et en plus de cela, il nous a donné beaucoup d'argent. Bizat Mitzrayim, Bizat Ayyam. Alors, combien on doit être modé ou mehallel. Mishnah. Rabban Gamliel aya omer, kol mi shelo amar, shelo shadvarim elu ba pesach, lo yatsa yede chovato. Celui qui n'a pas mentionné ces trois éléments, Nachon, on va voir, c'est-à-dire Pesach, Matzah ou Maror, eh bien, il n'est pas quitte de son devoir. Veluhen, Pesach Matzah Omaror. Pesach al shum chez Pesach Hamakom al Bate Avotenu Mitzrayim. Pourquoi est-ce qu'on mange le Korban Pesach? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah? C'est en souvenir de ce Nes des Bechorim. Les premiers-nés d'Israël ont été épargnés au moment de la mort des premiers-nés égyptiens. Sheneemar, Vamartem Zebar Pesach Ulachem Asher Pesach al Bate Veni Israël. Ça veut dire que on va raconter pourquoi il s'appelle Pessah, cet agneau pascal. Ça veut dire le saut, le bond. Car Akadosh Baruch Hu, il a sauté au-dessus des maisons juives. Va martem zevar Pessah ou l'Hachem asher Pessah al bate ben Yisrael ben Mitzrayim ben nokpo et Mitzrayim ve et batenu itzil. Va ikod ha'am va ishtahavu. C'est-à-dire que
En effet, au moment où vous allez sacrifier le Corban Pessah, vous devez raconter ce Ness que j'ai sauté au-dessus des maisons juives quand j'ai frappé les premiers-nés. Matza al-shum shenig alu avotenu mimitzraim. La matza, pourquoi on la mange? Parce que nos ancêtres ont été sauvés très rapidement, libérés très rapidement de Mitzraim, puisqu'il y a eu le chipazon. Les Égyptiens nous ont supplié de partir rapidement, car à cause de notre présence, ils subissaient les 10 plaies et la mort des premiers-nés. Alors ils nous ont supplié de partir. Ils ont mis la pression à tel point que la pâte n'avait même pas eu le temps de fermenter qu'on a dû sortir d'Égypte. Je n'ai marre vayofu et abat sec asher otziu mimitzraim o got matzot kilo hametz ki gorshu mimitzraim velo yachlu litmahmeya vegam tzeda lo asu lahem. Maror al shum shenereu amitzrim et haye avotenu bemitzraim shenemar vaymareru et hayehem ba'avoda kasha bechomer ubilvinim kol avoda basadeh et kol avodatam asher avdu behem befarech. Donc Rabban Gamliel nous dit que ce sont ces trois éléments qu'il faut mentionner, Pessah, Matzah ou Maror, et la Mishnah nous donne la raison qu'il faut citer par rapport à ces trois mitzvot. Bechol dor vador hayav adam lirot atzmo kilu hu yatsa mimitzrayim. Dans toutes les générations, l'homme doit ressentir et imaginer que lui-même il était en train de sortir d'Égypte, pas simplement qu'il est en train de commémorer les miracles qu'ont eu nos ancêtres au moment de la sortie d'Égypte. Mais toi-même, tu dois avoir l'impression que toi-même tu étais esclave, toi-même tu étais opprimé, et toi-même tu étais délivré. Shneimar v'igata libincha b'yom ahu l'emor ba'avur ze asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Ba'avur ze asa Hashem li. Qu'est-ce que ça veut dire asa Hashem li? Quoi li? C'est pas toi? Oui. Ba'avur ze, c'est quoi ba'avur ze? Pour que je puisse accomplir ces mitzvot de Pessah, Matzah ou Maror, c'est pour cela que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il m'a fait sortir d'Égypte? Pas pour aller jouer au football. Il m'a fait sortir d'Égypte pour bénéficier d'une liberté d'action afin que je puisse accomplir les mitzvot que je ne pouvais pas accomplir lorsque j'étais esclave du Pharaon. Allelu abde Hashem et Hashem, velo abde paro. Alors, chacun doit ressentir que Akadosh Baruch Hu lui a fait ses miracles de la sortie d'Égypte à lui personnellement pour pouvoir servir Hashem. Lefichach anachnu hayavim leodot lehallel leshabeach lefaer leromem leader levarech ulehallel ulkales lemi she'asa avotenu velanu et kol hanisim elu. Alors là, on est en train de parler de la fin de la Haggadah, quand on est en train de terminer et qu'on arrive à la bracha de la fin de la Haggadah. Lefichach anachnu hayavim, c'est pour cela que nous avons l'obligation, les hodot, les hallel, les shabeyah, les faer, les romem, les hader, les varer, les ale ou le kales, les miche à salavote nouvelanu, et kolanissim haelu. On doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait tellement de miracles en notre faveur. Hotsi anu, me avdut le herut, il nous a fait sortir de l'esclavage en liberté. Miyagon le simha, de la tristesse à l'allégresse, ou me evel le yom tov, et du deuil à la lumière du bonheur, ou me afela le orgadol, et des ténèbres à la lumière, ou mi shirbud ligoula, et de la soumission à la délivrance. Venomar le fanav, alléluia. Et donc on doit lui chanter le hallel, et on commence à chanter le hallel. Adechanu Omer, jusqu'où il va chanter le Hallel pour terminer la Haggadah, puisque le Hallel de Pessah, il est divisé en deux. Le Hallel de Pessah, il est divisé en deux. Une partie est à la fin de la Haggadah. Ensuite, on va manger la Matzah, le Maror, Korer, Shulchan Orer, la Fikoman, Tzafun, Barer, Birkat Amazon, et ensuite le Hallel après Birkat Amazon. Mais, dans la première partie qu'on va chanter à la fin de la Haggadah, jusqu'où on doit chanter? La Mahloket, Bet Shamay Bet Hillel. Bet Shamay Omrim Ad Em Avanim Semecha. Ou Bet Hillel Omrim Ad Halamish Le Marienomayim. Vechotem Bageoula. C'est-à-dire, selon Bet Shamay, juste le premier psaume, selon Bet Hillel,
les deux premiers psaumes, selon Bet Shammai jusqu'à Halamish Lemaïnomaïm, mais pas Betset Israël. Tandis que Bet Hillel disent Ad Halamish Lemaïnomaïm, c'est-à-dire même Betset Israël. Betset Israël Mim Mitzraïm. Alors, même ça. Vechotem Bageoula, il terminera Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Bon, on a sauté tout ce qu'on dit en plus, mais c'est juste Chotem Bageoula. Une fois qu'on va terminer la bracha, on va dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Rabbi Tarfon nous dit, Rabbi Tarfon Omer, Hashem Gaalanu, c'est pas juste Baruch Ata Hashem Gaal Israël après le psaume. Voilà. Rabbi Tarfon Omer, Hashem Gaalanu, Vegaal Et Avotenu Mimitzraim, Velo Haya Chotem. Rabbi Akiva Omer, כן, השם אלוקנו אלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עירך, וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים, ומן הזבחים ומן הפסחים, אשר יגיע אדמם על קיר מזבחך לרצון. ועוד, ברוך אתה, השם גאל ישראל, ונודה לך על גאולתנו ועל פדות נפשנו, עוד השם גאל ישראל. דוק, אופי קום רבי עקיבא. Juste, est-ce qu'on dit d'abord Pesachim et ensuite Zevachim, ou d'abord Zevachim et ensuite Pesachim? Zevach, c'est le korban Hagiga. Pesach, c'est le korban Pesach. Alors, est-ce qu'on... Alors, on commence d'abord par Hagiga. Nochal Shamina Zevachim ou Mina Pesachim. Zevach Hagiga, Pesach venait après Nechalala Sava. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une version aussi, le contraire, Pesachim, Zevachim? Eh bien, Rabota, écoutez bien. Ce Motsa et Shabbat, c'est-à-dire ce Pesach-là, 5781, ça va être quand Lel HaSeder, Motsa et Shabbat. Est-ce que, quand Shabbat tombait veille de Pesach, on faisait Korban Hagiga? Non. Non. Pourquoi? On n'a pas le droit de faire la Shrita du Korban Hagiga Shabbat, que le Korban Pesach. Et donc, dans ce cas-là, il faut dire Mina Pesachim ou Mina Zevachim. Parce que le Korban Hagiga n'était pas avant le Korban Pesach. Donc, c'est les Zevachim, c'est les Shlamim qu'on va manger pendant la fête de Pesach. Dans ce cas-là, c'est Pesachim et Zevachim. Pour ça qu'il y a des poskim qui disent que ce Motsaé Shabbat-là, de Pesach, il va falloir dire Mina Pesachim ou Mina Zevachim. Et pas Zevachim Pesachim. Mais d'autres poskim me disent qu'on ne change pas. On garde la même version comme toujours. Gemara. Amarava. Tsarich Shiomar. Ve'otanu hotzi misham. C'est-à-dire, pas seulement. Lo et avotenu ga'al imahem. Pardon. Lo et avotenu bilvad ga'al akadosh baruch hu. Et la afotanu ga'al imahem. Et donc, c'est ce que dit Rava, qu'il faut rajouter dans la Haggadah, Ve'otanu otsi misham, otanu, pas seulement nos ancêtres. Chol dor vador hayav adam levatzmo kiilu hu yatsa mi mitzray. Amar Rava, matza tzarich leagbia, maror tzarich leagbia, basar en tzarich leagbia, ve'lo odela shenira ki ochel kadashim bachutz. Rava dit qu'au moment où on soulève la matza, pardon, au moment où on va dire Matzazu, Shanur, Limal, Shumma, alors il faut soulever la Matzah pour la montrer à tout le monde, qu'elle est le Habeb et ta Mitzvah. Quand il prend le Maror, quand il va dire Maror Zé, il doit le prendre dans sa main et le montrer à tout le monde. Par contre, quand il dit Pesach, Shayu, Avotenu, Ochlim, Al Shumma, il n'a pas le droit de lever le Bassar. Pourquoi? Il ne doit pas soulever le Zeroa, parce que sinon il donnerait l'impression que ici il y a le Korban Pessah. C'est assourd de faire un Korban Pessah en dehors du Beth Amikdash. Hayaf Karet. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'on désigne du doigt un morceau. Il ne faut pas dire Basarze, Hazve Shalom, parce que c'est comme si tu disais ça c'est un Korban Pessah. Qui a un morceau de Zecher les Korban Pessah qui soit ici, il n'y a pas de problème. Mais surtout ne dis pas Pessah Zecher Yochli, mais que tu montres, voilà, voilà. Oui, quand on dit Zouan et Touya, et qu'il y a des Minhagim,
Ça dépend des minagim, pas tout le monde le fait, mais même ceux qui prennent zéro anetouya et le soulèvent, il n'y a pas de problème. Il ne parle pas de Pessah, il parle de zoa anetouya d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas en train de parler du Korban Pessah. C'est comme s'il était en train de manger des corbanotes à l'extérieur du Tamikdash, c'est extrêmement grave. Est-ce qu'un aveugle a la mitzvah de la Haggadah? Amar Rabbi Abba Yaakov, Souma Patour Minomar Haggadah. D'où on apprend que l'aveugle il est pas tour de lire la Haggadah. Ktiv Acha Ba'avourze, Ktiv Atam Benenouze, Malehalan Prat Les Soumin, Afkan Prat Les Souma. On retrouve le mot Zé à propos de Matzah et Maror. Matzah ou Maror, et Korban Pessah, qu'est-ce que dit le père à l'enfant? Il dit, Barabourze, Asa Hashem li betzetim et Mitzrayim. C'est pour que je puisse accomplir ces mitzvot ce soir de Pessah, Matzah et Maror, que Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'Égypte. Quand il dit le mot Zé, c'est qu'il désigne du doigt comme le Ben Sorer ou Moré, l'enfant délinquant. Que la Torah nous dit qu'il faut juger et condamner quand il a fait ce qu'il a fait. Mais si les parents étaient aveugles, dans ce cas-là, il n'y a pas le dîme de Ben Sorer ou Moré. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Benenu Zé Sorer ou Moré. Mais s'ils sont aveugles, ils ne peuvent pas le désigner du doigt puisqu'ils ne le voient pas. Alors, il n'y a pas le dîme de Ben Sorer ou Moré. Pareillement, il n'y a pas le dîme de Haggadah. Puisque la Haggadah, c'est seulement s'il peut dire Matzazou Shanur Limal Shuma. Maror Zé Shanur Limal Shuma. Et à l'époque du Beth Amikdash, Pessah Zé Shanur Limal Shuma. Mais puisque. Il ne peut pas dire Ba'avour Zé, il ne peut pas montrer du doigt, puisqu'il ne voit rien du tout, l'aveugle. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. La Gemara pose la question, elle dit Eini, comment tu peux dire que une personne aveugle, elle est dispensée d'un mitzvah d'Agada, pourtant, Ve'amar Marimar, Marimar raconte Shaltinu les Rabbanan de Rabbi Yosef, Man Amar Agadeta de Rabbi Yosef, Ve'amouli Rabbi Yosef, Man Amar Gadeta Adebe Rav Shechet. Mais Amouli, Rav Shechet. Oui, Rav Shechet et Rav Yosef, les deux étaient aveugles. Et Marimar a dit, j'ai posé la question à la famille de Rav Yosef, à la famille de Rav Shechet. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a à Agada pour vous acquitter? Eh bien, ils m'ont dit, Rav Yosef. Et pourtant, il était aveugle. Rav Shechet, pourtant, il était aveugle. Alors, comment tu dis que les personnes aveugles sont tourim de Agada? Réponse, Kassavre, Matsabaz, Manazé, Miderabanan. Eux, les Chachamim, comme Rav Yosef et Rav Shechet, pensaient que de nos jours, de la même façon que le Maror, c'est Miderabanan, ainsi la Matsa, c'est que Miderabanan. Pourquoi? Et donc la Haggadah aussi, Hazak. C'est-à-dire que, étant donné que Matsa et Maror, ça doit accompagner le Pessah, et à l'époque de Rav Yosef et de Rav Shechet, il n'y avait plus de Beth Amikdash. Donc il n'y avait plus de Korban Pessah. Al-Matzot Umrorim Yorlou. Al-Matzot Umrorim Yorlou. Il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a pas de Matzah, il n'y a pas de Maror. Et donc qui est-ce qui dit qu'il faut manger Matzah et Maror? C'est les Chachamim, Zecher, l'Amikdash. C'est que Midérabanan. Donc si c'est que Midérabanan, donc même la mitzvah de Haggadah, elle ne peut pas être Minatora. Puisque dans la Haggadah, c'est écrit Ba'avourze. Ba'avourze. Alors pourquoi tu lis la Haggadah? Ba'avourze. Matzah et Maror. Mais à quel jour il t'a pas demandé de manger la Matzah et la Maror le soir de Pessah? C'est uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Mais maintenant, ce soir de Pessah, il n'y a pas de mitzvah Minatora. Donc puisqu'il n'y a pas de mitzvah Minatora de manger Matzah et Maror, donc tu ne peux pas dire Ba'avourze. C'est faux. Hachem t'a demandé d'amener cette Matzah et ce Maror. C'est les Chachamim qui t'ont demandé. Et si c'est les Chachamim qui t'ont demandé, comme ils t'ont demandé de manger de la Matzah et de manger du Maror, ils t'ont demandé aussi de faire la Haggadah. C'est comme Midérabanan. Si c'est comme Midérabanan, même un Souma, même un aveugle, il est Chayav Midérabanan. C'est-à-dire qu'il peut acquitter des personnes qui sont Chayavim comme Midérabanan, parce que lui aussi, il a une mitzvah rabbinique. Ça veut dire que pour eux, et comme on va voir, ceux qui pensent que oui, c'est Minatora, parce qu'ils s'appuient sur le pasouk, Ba'erev Tochelu Matzot. Ba'erev Tochelu Matzot, ça veut dire que c'est encore un autre pasouk pour dire qu'on est Hayav de Matzah
indépendamment de Pessah. Mais eux, ils vont dire que non. Bah, Erev Tochenu Matzot, ça se rapporte à la Matzah de Pessah, pour laquelle la Torah dit Al Matzot Umorim Yochlou, eh bien, bah, Erev Tochenu Matzot. Mais ce n'est pas une mitzvah indépendante. La Gemara dit d'ailleurs Miklal de Rav Aha Bar Yaakov Savar Matzah Bazman Azeh de Oraita. Celui qui dit que le Souma, il est patour, celui qui dit que le Souma est patour, bon, je reprends, c'était qui? Amar Rav Aha Bar Yaakov, Souma patour, mais non maragada. Pourquoi il disait que le Souma, il est patour? Parce qu'il pense que Matzah Bazman Azeh de Oraita. Et si c'est d'Oraita, le Souma, il ne peut pas dire Ba'avourze. Veha Rabacha Bar Yaakov, Hu de Amar, Matzah Bazman Azeh de Rabanan. Rabacha Bar Yaakov, il se contredit. Parce que lui-même, il aurait dit que la Matzah Bazman Azeh, c'est que Midera Banan. Alors d'après lui, pourquoi est-ce que l'aveugle ne serait pas Hayav de Agada? Mais a priori, c'est dépendant, une chose dépend de l'autre. Comment? Je répète, et là ça va être un petit peu subtil, un peu complexe. Celui qui a dit que la Matzah Bazman Azeh de Rabbanan, Matzah Bazman Azeh de Rabbanan, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est pour ça que même la Agada c'est que Midera Banan. Si la Agada c'est que Midera Banan, alors même l'aveugle il est tenu de cette mitzvah. Mais si tu dis que l'aveugle est pas tour de cette mitzvah, c'est que forcément tu penses que la matzah c'est minatora. Puisque la matzah c'est minatora, donc tu as l'obligation de faire la Agada, minatora. Puis quand dans la Agada, qu'est-ce que tu dis? Bah avourze. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu t'a demandé de manger de la matzah et du maror. Pardon, de manger de la matzah. Bah avourze. Puisque tu es chayav minatora de manger de la matzah, tu peux faire la Agada, minatora. Bah avourze. Alors dans ce cas-là, c'est pour cela que l'aveugle, il n'est pas tout, puisqu'il ne peut pas dire Barabourzé. Très bien. Mais pourtant, le Rav Aha Bar Yaakov lui-même aurait dit que la matzah, c'est Midera Banan. Rav Aha Bar Yaakov ou de Amar, matzah basmanazé, Midera Banan. Alors c'est contradictoire. Parce que si c'est que Midera Banan, l'aveugle aurait dû être Hayav de Agada. Kassavar. Kol de takun rabanan, ke'en de oraita takun. C'est-à-dire que Behemet, il pense comme ça. C'est que la matzah, c'est midera banan. Et pourtant, l'aveugle, il n'est pas tour. Comment ça se fait? Parce qu'il dit, à l'époque du Bet Amigdash, est-ce que l'aveugle était chayav? Non. Puisque il est écrit Baravourze. À l'époque du Bet Amigdash, Pessah Matzah Maror, c'était un Chiyuv Mina Torah. Mais pas pour l'aveugle. Pourquoi pas pour l'aveugle? Car il ne peut pas dire Baravourze. Baravourze, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait sortir de Mitzrayim pour que je puisse accomplir ses mitzvot. Il va montrer du doigt. Baravourze. Le Zé, c'est le désignable absolu. C'est quand tu montres du doigt, comme Ahodesh Azeh Lachem, comme Zeitenu Kalor Ver Lapikudim, Veze Maaseh Menorah. Hachamim nous disent que ces trois éléments, à que je me roule à montrer à Moshe Rabbeinu, Ba'enaim, du doigt, il lui a montré du doigt. Donc quand on disait, c'est quelque chose qu'on désigne du doigt. L'aveugle, il peut désigner du doigt Pessah Matzah Maror? Non. Donc, il n'a pas la mitzvah. Très bien. Mais maintenant, puisque maintenant, Bazman Azeh, tout ce qu'on fait, on fait que Midera Banan, d'après lui. Il dit, mais même Midera Banan, on ne fait que ce qu'on faisait à l'époque de la Torah. Est-ce qu'à l'époque de la Torah, l'aveugle était Khayav? Non. Alors pourquoi tu veux qu'il soit Khayav Midera Banan maintenant? Même si on a imposé aux gens qui voient, qui ne sont pas aveugles, on leur a imposé Matzah et Maror, mais pas pour l'aveugle. Et la Haggadah, tout ça c'est que Midera Banan, mais pas pour l'aveugle. Parce qu'on ne sera pas plus royaliste que le roi. Si déjà à l'époque de Deoraïta, l'aveugle était dispensé, à l'époque où les autres sont Hayav que Midera Banan, tu veux que l'aveugle aussi soit Hayav Midera Banan? Non. Kol de Takun Rabanan, Keren Deoraïta Takun. Quand les Chachamim font une Takana, ils font à l'instar de la Torah. Alors la Gemara pose la question, elle dit,
Le Rav Shechet ou Rav Yosef Nami. Alors, Rav Shechet et Rav Yosef, pourquoi est-ce qu'ils ont lu la Haggadah? A priori, c'est une règle. Il y a une règle. Kol detakun rabanan, ken dora et atakun. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont sentis concernés par cette mitzvah au point d'acquitter même les membres de la famille? Admettons que, que toutes ces mitzvot soient que midé rabanan d'après eux. La mitzvah de matzah, midé rabanan. La mitzvah... Oui, mais comme la Torah dit d'autre part, al matzot umrorim yochlu, alors ça veut dire que la mitzvah de ba'erev tochenu matzot, c'est la même matzah de laquelle je t'ai dit al matzot umrorim yochlu. Ça veut dire quoi, al matzot umrorim yochlu? Avec le korban pesach, ils le mangeront. Donc ils doivent manger matzah et maror avec le korban pesach. S'il n'y a pas de mitzvah de korban pesach, il n'y a aucune mitzvah de matzah et maror. Alors pourquoi est-ce qu'on fait? Alors d'après eux, c'est que aujourd'hui c'est que midera banane. Et donc si c'est que midera banane, même la Haggadah, c'est que midera banane. Alors pourquoi est-ce qu'eux, ils se sont permis de faire la Haggadah? C'est ça la question. On le rafchiché de Rav Yosef Nami, Havaddaï, Koletakun Rabanan, Kehendorait, Atakun. Comment ils ont acquitté les autres? Alors maintenant, ils disent comme ça. Achiyashta, nous on a cru que Be'emet, le Souma à l'époque du Beth Amikdash, il était patour. Nachon, eux ils ne sont pas d'accord avec. Eux ils disent, Achiyashta, Bish la mahata midehavale li mirtav, benenu hu, uchtiv benenu ze, shma mina prate souminu deata, avalacha, ilav ba'avur ze, maï lichtov, ela ba'avur matza ou maror ou deata. C'est-à-dire, dans le sens où ils ne sont même pas d'accord pour dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, un aveugle était dispensé. Parce que toi, tu es parti sur un axiome de base. Bah, avourzé, comme le Ben Sorer ou Moré, si les parents ils sont aveugles, l'enfant ne peut pas être condamné, parce qu'il est écrit Zé. Mashmar qu'il est désigné. Ainsi, Baravourzé, à propos de Matzah Omaro, Mashmar qu'ils sont désignés. Or, l'aveugle ne peut pas désigner, puisqu'il est aveugle. Alors, ils sont dispensés. Donc, ils sont dispensés. Il dit, c'est faux. Tu as comparé l'incomparable. Car là-bas, à propos du Ben Sorer ou Moré, la Torah, elle aurait pu dire Benenu Hu. Et il est écrit Benenu Zé. C'est pour dire qu'il le montre du doigt. Donc, ils ne sont pas aveugles. Mais s'ils étaient aveugles, on ne va pas appliquer à cet enfant toute la loi de Ben Sorer ou Moré. Parce que la Torah aurait pu dire, pourquoi elle a dit Benenouzé? C'est pour dire, les maret est aveugle, les maret est souma. Mais à propos de Matzah Omaror, Baravourzé, Asa Hachemli, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Baravourzé? Pas que tu montes du doigt, comment tu voulais qu'elle te dise? On a parlé de Matzah Omaror, et la personne dit à son fils, c'est pour cela que Hakadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'Égypte. C'est pour cela. Mais ici, le Zé, c'est au niveau de la théorie, pas au niveau de ce que je montre du doigt. Baravour Zé, c'est pour cela que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Pour cela, quoi? Que j'accomplis ces mitzvot de Matzah et de Maror et de Pessah et de Haggadah et tout. Donc, c'est pas pour montrer du doigt. C'est pas pour désigner. Là-bas, la Torah, elle aurait pu écrire Benenu Hu, elle a écrit Benenu Zé pour dire que c'est un enfant désignable. Donc les parents ne sont pas aveugles, ils sont voyants. Mais là, puisqu'on n'avait pas le choix que d'écrire Baravour Zé, parce qu'on parlait de Pessah, Matzah et Maror, donc on parle de ces choses-là. Alors on parle de ces choses-là, mais au niveau de la connaissance de ces choses, pas au niveau de ce que je suis en train de montrer. Hakadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'Égypte pour accomplir ses mitzvot, lesquels Pessah, Matzah ou Maror. Pas forcément que je montre du doigt. Donc pour Rav Yosef et Rav Shechet, à l'époque du Beth Amikdash, déjà, l'aveugle était chayav d'accomplir toutes ses mitzvot. Pessah, Matzah, Maror, et donc la Haggadah, évidemment, aussi. Voilà.